Franco. Ido. Weme. Ido. Dawa. Ido. Les deux équipes représentant le département de l'Eumé avant de prendre le départ pour Grand Popo le vendredi 23 juillet 2021 pour le championnat national de football Bene FIFA 2021 ont promis ramener les trophées dans l'Eumé. Et ça n'a pas raté. L'équipe masculine représentée par le CEG 1 à Vrancou est sacrée championne et l'équipe féminine du CEG Doha de Porto Novo vice-championne. Nous sommes partis pour une compétition des moins de 16 ans. L'Eumé avec l'objectif de faire quoi ? De ramener les deux trophées. Malheureusement pour nous, l'homme propose et Dieu dispose, dit-on. On a joué, nous sommes venus, les deux équipes étaient venues en finale comme prévu, mais le trophée nous a échappé au niveau des filles. Moi, je suis parti avec les filles. Nous avons été vice-championnes. On a été battus par l'équipe de Bacila 2-0 en finale. Bon, cette sortie nous a beaucoup permis de comprendre aussi nos faiblesses, de savoir nos faiblesses du moins, et de mieux nous préparer pour les phases à venir l'année prochaine. Les encadreurs remercient tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de ce championnat. Je vais remercier le gouvernement en place et remercier le chef qui est notre président, nommé Patrice Guillaume Atanas Talon. Et remercier le chef suprême des sports, le ministre Oswald Omeki, pour le travail qu'il est en train de faire, surtout à l'endroit du sport roi, qui est le foot. Le comité qui a été présent sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de Grand Popo, je remercie tout et chacun d'eux. Le directeur départemental des sports Wemé, M. Félicien Maouton-Djiron-Karin, nous a rappelé l'engagement du ministère des Sports avec le partenaire FIFA pour ce championnat dans les années à venir. En plus du football qui sera joué par tous les collèges, et cela permettra d'avoir des équipes pour pouvoir continuer l'œuvre. Le ministère s'engage à suivre. Et avec le partenaire FIFA, nous aurons l'œil sur ces enfants, les brillants qui vont s'illustrer. Et désormais, il y aura championnat d'Afrique scolaire. Et le Bénin sera le pays phare de ce championnat. Cela montre qu'il y a de l'endemain meilleur pour ce programme et pour tous ces enfants qui jouent et qui ont de plaisir à jouer et qui découvrent les pelouses très jeunes et qui feront désormais la fierté de notre sport. Ce samedi 31 juillet 2022, les champions ont foulé le sol de l'Eumé. Le directeur, les encadreurs, les joueurs et joueuses ainsi que les jeunes officiels n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie. Mes sentiments sont des sentiments de joie et de satisfaction. C'est vrai que les autres équipes n'ont pas démérité, mais la chance doit être d'un côté et Dame Chance s'est portée vers nous, on a gagné les trophées, on en est très content. La marche a été difficile, mais par la grâce de Dieu, on a pris la coupe et on est revenu. Quand on joue le final, le premier parti, on nous a donné un but. Notre coach nous a dit de se renforcer encore pour marquer et les redonner. Par la grâce de Dieu, on a vu que ce que notre coach a dit, c'est passé. C'est un peu difficile de jouer entre nous, mais on a ramené la coupe pour encourager le directeur départemental. On n'a pas gagné, mais on est la deuxième dans les 12 départements. Ainsi donc, le département de l'Eumé est consacré champion et vice-champion de cette première édition du championnat national scolaire de football. À Vrancou, Ido! Ouémé, Ido!